pour son vidange, avant tout. Et il est certain que c'est vrai, c'est un avantage. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle vieux cognac aussi? À mon avis, c'est très occasionnel. C'est très occasionnel. Maintenant, quelquefois, on trouve ça chez le bouilleur de cru, qui, en vendant son cognac, son vieux cognac, peut laisser partir son fût. Non, il y en a beaucoup trop. Mais enfin, j'en connais beaucoup, c'est vrai. Ouais. D'abord, oui, on peut retrouver. Mais enfin, le plus sûr, c'est la confiance. On peut faire confiance aux Charentais. Oui, bien sûr. Oh, tout le monde ne me connaît pas, mais je connais beaucoup de gens, beaucoup de bouilleurs de cru. Mon boulot, mon travail m'a fait connaître beaucoup de gens. Je peux parler de mon apprentissage. Pendant 3 années, j'ai eu l'occasion, à raison de 3 ou 4 chais par jour, de faire des enlèvements à la campagne. Ce qui représente beaucoup, beaucoup de bouilleurs.